Marre de ce monde-là, à la frange jusque-là. Marre de ces amas de fracas qui s'abattent chaque jour quelque part, ici là-bas. Marre de ces ignominies, de ces vies gâchées au profit de quoi? Par qui, pourquoi? Marre, ras-le-bol, basta. Mais dans quel monde vit-on? Pourquoi en sommes-nous là? Peur de l'IA et l'IH, elle sert à quoi? L'intelligence humaine performante, je n'en suis plus si sûr, pourtant j'ai cru. Peur de l'IA et l'IH, elle sert à quoi? Partout du désarroi, partout de la tristesse, du chaos, l'effroi. Pourtant tout continue, rien ne cesse. À qui la faute? À moi, à toi, à nous, qui restons là sans avancer dans ces remous, dans ces embarras, dans ces chaos sans nom. Qui tue? Qui broie? Pourquoi en sommes-nous là? À cause de qui? Pourquoi? L'intelligence humaine, pour qui? Pourquoi fait-elle ses preuves? Non, je ne le crois pas. Tandis que certains meurent en masse pour des causes bien passes, tandis que nombreux crient famine dans des terres en ruine, tandis que mettre au monde n'est plus notre priorité. Que reste-t-il de l'espèce humaine qui file tout droit dans un mur consciente pourtant de tout ce qu'elle fait? Pour qui? Pourquoi? Des vies entières détruites, des enfants perdus, des mères aux abois, des hommes qui, de battants, sont devenus battus. Sans combattre, nous nous sommes perdus, perdus dans l'immensité d'une planète ronde qui nous pourrait nous laisser aller. Aller vers quoi? La chute de ce que l'on est, la chute de ce que l'on a. À quoi cela sert-il? À quoi ça sert tout ça? Autant de désespoir, autant d'effroi. Rester dans la lumière, garder la foi. Pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Pour les enfants de la terre, pour eux qui de leur petit pas la foule, leurs espoirs en bandoulière, espoir qu'un jour, un matin, une fois, l'intelligence humaine reprenne ses droits, ses devoirs, ses actes de foi, sa droiture et sa capacité à réfléchir ensemble à de vraies solutions pour bannir une bonne foi l'ombre qui englobe notre globe, ces êtres divers, sa faune et tous ses vivants, englués dans un chaos immense. Sans sens, sans conscience, sans joie, sans loi, seules des injustices ignobles. Qui tue, qui broie, qui tue, qui broie. Pourtant des solutions existent, elles pourraient sortir le monde de ses tracas. Garder espoir ou baisser les bras, non continuer à y croire. Qu'elle soit artificielle ou humaine, l'intelligence est d'abord logique et n'a qu'un devoir, tout faire pour maintenir sur cette magnifique planète ceux qui l'habitent, la côtoient. Ceux qui la chérissent et ceux qui ont cette chance unique de goûter à sa magie. Que l'on ne voit plus, que l'on ne voit pas, que l'on ne voit plus, que l'on ne voit plus. Basta.